Donc, le premier sujet, il y a deux sujets qu'on va débattre. Madame 3000 euros et le désistement de Souloudalen par rapport à la famille de Nyeloi. Voilà. Vous n'êtes pas sans le savoir que c'est aujourd'hui qu'ils se sont présentés au tribunal. Nyeloi s'est présenté au tribunal. Alors, mais partagez la vidéo. Je veux qu'on soit rapidement nombreux. Partagez au max. Dans ces 2 jours-là, bizarrement, j'ai vu cette dame pour laquelle j'avais un respect quand même, parce que je vois souvent cette publication, je ne sais pas, elle s'appelle Hadi Prezi. Je ne maîtrise pas bien son nom. Partagez-moi la vidéo. Qui fait des publications et qui dit que il y a un homme, il y a un homme et un boss qui lui a offert 3 000 dollars. Ce qui fait 30 millions de francs guinéens. Un homme lui a offert 30 000 dollars. Et mais ce qui est curieux dans cette affaire, partagez-moi la vidéo. Ce qui est curieux dans cette affaire, elle dit que l'homme l'a offert 30 millions de francs guinéens, 3 000 dollars, mais que l'homme a voulu coucher avec elle. Excusez-moi de l'expression. Que l'homme a voulu coucher avec elle et qu'elle a refusé. Mais ce qui est curieux dans tout ça, elle fait les captures de leur conversation, elle publie sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et par après, elle commence à dire non, ce sont des gens qui conduisent les filles à la prostitution, ce sont des gens qui font que, qui achètent la dignité des femmes, etc., etc. Elle vient d'être arrêtée. À l'instant T, elle est en route pour la gendarmerie, je crois, de Kipe. À l'instant T. Je ne comprends pas, on ne comprend pas. C'est quoi le problème? Tu es dans une relation avec quelqu'un. Vous savez, les filles, vous êtes nos mamans, vous êtes nos mères. Il faut qu'on fasse, il faudrait que vous fassiez très attention. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce qu'elle a publié, le monsieur a voulu d'elle, le monsieur veut d'elle. Mais c'est normal, ce n'est pas un péché de tomber amoureux d'une femme. Mais c'est normal. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Le monsieur est tombé fan de la petite. Il dit à la petite, je veux de toi. Et c'est là, la petite profite pour lui dire de lui faire un prêt. Partagez-moi cette vidéo. Partagez au max, on est à combien de partages? Sous-chef combattant. On est à combien de partages? Mettez les cœurs. On est à 5 partages, ça ne ressemble pas aux samouraïs. Regardez. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Et mettez tout salut en commentaire. Parce qu'on va se dire la vérité. Le monsieur dit qu'il veut de la dame. La dame, elle cause très bien avec le monsieur. Je vais publier les messages ici. Mais quelqu'un que tu ne veux pas de lui, tu causes très bien avec la personne. Et tu dis à la personne, prête-moi tel montant. Le monsieur lui dit, ok, mais tu vas me mettre dans l'embarras. Suivez très bien, mais partagez la vidéo. Parce que ce qui arrive au monsieur là, ça arrive à beaucoup d'hommes et ça risque d'arriver à beaucoup d'autres hommes. Il faut que les gens soient informés et faire très attention. Elle dit au monsieur, elle causait très bien avec le monsieur, tout ça là. Le monsieur l'a invité pour un week-end. Elle dit non, si je dois aller, c'est elle qui pose sa condition. C'est bien sûr elle qui pose sa condition. Elle dit si je dois aller, 2 conditions. Premièrement, je vais avec une de mes actrices. Et deuxièmement, tu me donnes la somme de 30 000, et du moins de 3 000 euros. Regardez ça, c'est elle qui pose sa condition. Un homme t'invite pour un week-end, ce que les samouraïs appellent un week-end honnête. Tu sais à quoi tu t'attends. Et le monsieur lui a dit qu'il était fan d'elle. Le monsieur l'invite pour le week-end. Elle dit, je vais venir à ce week-end à 2 conditions. La première condition, je viens avec une de mes actrices pour pouvoir faire je ne sais pas quoi. Elle a des filmages à faire, etc. Parce qu'elle évolue dans le domaine du cinéma. Et que la deuxième condition, il faut que le monsieur lui donne 3 000 euros. 3 000 euros. Elle pensait à quoi en disant au monsieur de lui
donner 3000 euros. Pourquoi? Si c'est une invitation simple. Si c'est une... Vous savez, certaines personnes se croient être très malines, quoi. Notamment nos femmes. Vous êtes nos mères. Mais à des moments donnés, la malice, là, il faut laisser ça. Vous voulez de l'argent, il faut chercher durement, comme les autres femmes font. Il ne faut pas chercher à vous faire, je ne sais pas. Mettez les cœurs et partagez-moi cette vidéo. Je ne vois pas de cœur. J'ai comme l'impression que la vidéo s'est arrêtée. Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de cœur, voilà. Donc, la dame dit au monsieur, voici mes conditions. Et par après, elle dit au monsieur, prête-moi ce montant-là alors. Le monsieur lui dit, mais tu vas me mettre dans l'embarras. Tu vas me mettre dans un embarras grave. Moi, je t'ai demandé quelque chose. La chose-là. Voilà. Passez un bon moment avec elle. Après lui avoir déclaré sa flamme d'amour. Donc, le monsieur a suivi la procédure qu'il faut. Et c'est là, la dame dit, comment ? Il n'y a pas de problème. Parce que le monsieur a dit, tu me mets dans l'embarras. Je te demande une chose et tu me demandes encore autre chose. Si je ne fais pas ce que tu as demandé, je serai le méchant. Jusqu'à présent, on n'a pas écouté le monsieur. Hein. Mais ce qu'on voit sur les publications de la dame elle-même, on voit déjà que le monsieur a raison. Mais 100% raison. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent se servir. Des gens. Et puis, il y a en quelque sorte le chantage dedans. Je ne sais pas par quel mécanisme elle est passée. Elle a pu avoir des images du monsieur et elle dit au monsieur, c'est elle-même qui publie. Elle dit au monsieur, moi, je gagne ma vie dans les vidéos, je revends les images. Donc, ton image là, tu vas payer ça, sinon je vais publier. Regarde ça. Et le monsieur, même dans ses propos, il parle de façon responsable, il cherche à la faire comprendre, mais elle ne comprend pas. Elle pensait qu'elle pouvait... Comme elle sait que le monsieur a beaucoup d'argent, elle pensait qu'elle pouvait jouer comme ça avec le monsieur, que le monsieur paye assez d'argent, d'accord? Ou alors, et en tout cas, ça allait être son petit business. Malheureusement pour elle, c'est elle-même qui publie. Et elle publie, elle fait des vidéos là-dessus. Nous, on n'a pas encore entendu le monsieur parler. Elle fait des vidéos là-dessus et ça lui donne assez de vues. Elle-même, elle publie ça encore. Elle dit que c'est ce qu'elle aime sur Facebook. En tout cas, juste 3 jours, elle a pu avoir près de 4000 abonnés. En cherchant à humilier, à créer des problèmes à un père de famille. Le monsieur lui dit, je suis un père de famille. Et elle, elle dit, je sais que tu es un père de famille. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Mais le monsieur t'a proposé un marché. C'est un marché. Si tu ne veux pas, mais laisse le monsieur tranquille. Mais ne bouffe pas son argent. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le karma. Tu bouffes l'argent du monsieur. Tu ne te limites pas là. La chose qu'il a demandé, tu ne lui donnes pas. Après, c'est pour faire recours au texte qui protège les droits de l'homme, les droits de la femme, dignité de la femme. Écoutez. C'est pour dire, non, sont eux qui poussent les gens à la prostitution. Pousser qui à la prostitution? C'est une gamine qu'on peut pousser à la prostitution. La prostitution, on lutte contre ça. Mais c'est un métier qui est reconnu. Il y a des prostituées un peu partout dans le monde, à Conakry. Jamais on a vu des pick-up qui sont allés arrêter ces prostituées. Voilà, jamais on a vu. Et ces prostituées-là, on lutte contre ça. Il y a des services spécialement spécialisés qui font en sorte que ces gens-là puissent changer de métier. Ce sont eux qu'on appelle les travailleuses de sexe. Voilà. Il y a des ONG qui cherchent à faire changer leur mentalité pour les faire quitter dans la rue. Mais ce n'est pas, je n'ai pas vu quelque part où c'est écrit que c'est une infraction à la loi pénale. Donc, il y en a. Si le monsieur vient, il te fait une proposition et c'est toi-même qui propose le montant, le monsieur te donne, tu bouffes ça et tu refuses de satisfaire aux exigences du monsieur. Tu ne te limites pas là. C'est pour essayer de vendre le monsieur parce que c'est les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est le buzz,
ou c'est pas le buzz, mais cette affaire-là risque de mal finir. C'est-à-dire, moi j'avais confiance en cette fille, tout ce qu'elle faisait et tout ça, mais ça là, on vient d'apprendre qu'elle vient d'être arrêtée. Le live même était en train de passer. Je ne sais pas comment elle s'appelle, Hadi Prezi. Et moi, j'allais me fâcher contre le monsieur si le monsieur ne portait pas plainte. S'il ne portait pas plainte, j'allais me fâcher contre lui. Mais j'allais vraiment me fâcher. D'abord, il y a ce qu'on appelle en droit le secret de la communication. C'est inviolable. Quelque chose que vous avez dit en privé. Et puis toi, tu menaces le monsieur. Elle menace le monsieur. Non? Tes images et mes images vont se retrouver sur la toile. Nous allons être présents sur la toile comme des enfants. Qu'est-ce que le monsieur a fait de mauvais? Vous voyez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui perdent leur chance. Vous avez des hommes. Il peut voir une fille. Il veut venir vers la fille. Il sait que la fille est célibataire, par exemple. Il veut venir vers la fille. Il veut draguer la fille. Il veut sortir avec la fille. Il veut voir dans quelles conditions il peut épouser la fille. Mais il a peur. Parce qu'un simple bonjour, tu vas dire à la fille, elle va faire capture et dépose. Tout ce qui va mijoter et bouger dans sa tête, c'est quoi? Comment faire en sorte de te créer un problème? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi il y a énormément de filles célibataires en Guinée actuellement. À Conakry, on n'en parle même pas. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est ça. Un simple bonjour. Est-ce que c'est interdit de draguer une femme? Est-ce que c'est interdit de déclarer sa flamme à une femme? Même si on a 100 femmes, ce n'est pas interdit. Alors, il revient à la femme. Si elle n'est pas intéressée, mais elle te dit, bon, écoutez, je ne suis pas intéressé. Le blanc a créé sur les réseaux sociaux le bouton qu'on appelle bloquer. Quand tu n'en as pas besoin, tu éjectes la personne. C'est simple que ça. Mais tu laisses l'ouverture à la personne. Jusqu'à ce que c'est toi-même qui lui demande 3000 euros. Parce que tu penses qu'il est boss. Tu ne sais pas comment il fait pour avoir cet argent. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéoconférence au maximum, chers samouraïs. Je vous ai toujours dit, vous connaissez le principe de Facebook. Facebook, lorsque nous sommes en vidéoconférence, s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, Facebook va penser que voilà, la page ne produit rien de spécifique. Donc laissez les cœurs et partagez, ça ne vous coûte rien. Donc c'est ça. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il est interdit de déclarer son amour à une femme? C'est pas interdit. Et ce qui s'est passé, le monsieur vient. Elle dit que le monsieur veut coucher avec elle. Mais est-ce que c'est interdit? C'est mauvais. Je ne parle pas sous l'angle religieux, mais sous l'angle juridique. Sous l'angle juridique, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas interdit de chercher à avoir des relations sexuelles avec une femme. Sous l'angle juridique, ce n'est pas interdit. Ce qui est recommandé, c'est le consentement. Il y a des femmes qui, pour accepter ces relations-là, une relation charnelle, coucher par exemple avec un homme, elles donnent leur consentement sans condition. Il y a certaines qui donnent leur consentement à partir d'une condition. Tu me payes tel. Ce sont eux qu'on appelle les djandjou, les prostituées. Maintenant, si une femme donne son accord à un homme et demande un montant faramineux de 30 millions, et après, elle ne se limite pas là. Le contrat a été conclu, en quelque sorte. Parce qu'elle a donné son accord de partir avec une de ses actrices. À moins qu'on n'ait pas bien compris. Et si par après, les clauses n'ont pas été respectées, tu n'as rien fait. La chose pour laquelle tu as reçu l'argent, ça n'a pas été fait. Faut te limiter là-bas, maman. Faut te limiter là-bas. Faut te limiter là-bas. Mais si il faut encore exposer le monsieur et demander au monsieur de payer encore de l'argent pour pouvoir, pour ne pas que tu publies ces images, moi je ne comprends pas. À moins que ce soit moi qui ne suis pas en train de comprendre, mais je suis vraiment choqué et content du fait qu'elle soit arrêtée.
Elle part à la brigade pour s'expliquer. On va suivre cette affaire-là et on va décortiquer cette affaire-là chaque fois qu'on aura l'occasion. Parce que c'est devenu une pratique en Guinée. C'est devenu une pratique très récurrente. Les jeunes filles, dès qu'elles voient qu'un homme se débrouille bien, généralement ce sont elles-mêmes qui viennent vers l'homme. Généralement. Elles viennent souvent dans un cadre professionnel. Moi j'en ai été tellement victime. Elles viennent souvent dans un cadre professionnel. Par après, pouf, ça balance. Elle te conduit vers l'autre côté. Même si tu n'avais pas l'intention, elle te conduit vers ce côté. Et tu vas dire, bon, écoutez, tu vas chercher à aller dans sa logique. Après, tu te crées des ennuis. Sinon, il y a quoi de compliqué dans cette affaire-là? C'est toi qui as demandé l'argent. Le monsieur t'a donné l'argent. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait de mal? Qu'est-ce que le monsieur a fait de mal? Après, moi, je vois sur les réseaux, c'est écrit, ouais, le boss qui m'a offert 30 millions de francs guinéens, il t'a offert. Est-ce que c'est un cadeau? Moi, je veux que la dame là s'explique. Est-ce qu'il a dit qu'il te donne ça cadeau? Et malheureusement, même pour la dame, tous les messages, les captures d'écran, elle a mis sur la toile. Et ces captures-là, moi, je me fonde sur ces captures-là pour faire mon raisonnement. En se fondant simplement sur ces captures d'écran-là, qu'elle-même, elle a publiées. Wallahi, elle n'a pas raison. Parce que le monsieur lui a dit, tu me mets dans l'embarras grave. Je t'ai demandé quelque chose. En retour, tu me demandes de te faire quelque chose. Si je ne fais pas, c'est moi qui serai le méchant. Donc le monsieur a fermé les yeux, il a donné. Normalement, c'est un contrat. Je te donne la chose, tu me donnes la chose. Ça, c'est clair, c'est un marché. Il faut que les choses soient claires. Même si je n'encourage pas ça, je ne veux pas ça. Voilà. Mais dans le cas précis, ça a été un marché. Il faut qu'on appelle le chien par son nom. Voilà. Il faut qu'on dise les choses. C'est ça. Ça a été un marché. En tout cas, en fonction de ce qu'on a vu sur la toile, ça a été un marché. Et donc, ce marché devrait être exécuté. Qui a tort? Qui a tort? Ah! En longueur de journée, on voit. Au contraire, c'est elle-même qui est en train de s'exposer. Et vous allez voir après cette affaire, le respect que les gens avaient pour cette dame-là, ça va descendre beaucoup. Parce qu'on ne comprend pas. Vous savez, quand les femmes, il faut faire très attention. On a respect pour les femmes. Les femmes sont des êtres très sensibles. Toutes les situations qui concernent les femmes, dès qu'on dit, hop, il y a eu tel truc entre une femme et un homme, la femme a toujours raison. Et effectivement, la femme a toujours raison. Mais arrivé à un certain niveau, votre raison naturelle, là, on met de côté. Quand vous êtes en infraction, on vous sanctionne. Ce qui se passe là, je ne sais même pas si elle a dit le nom du monsieur, mais c'est grave. Vilipender un monsieur comme ça, qui n'a rien fait. Le monsieur a perdu son argent comme ça. Il n'a rien fait de mal. Partagez-moi la vidéo. Laissez-moi saluer en commentaire, s'il vous plaît. Hena Haba, comment ça va? Céline Lepou. Oui, oui, je suis d'accord. Quand on est une combattante de la vie, c'est pas à tout moment. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi saluer en commentaire. Tout le monde, écrivez salut, salut, salut. C'est les règles de la vidéoconférence du samouraï. Donc, moi, je suis très content. Elle est en train de faire un live à l'instant T, dans la voiture. Elle est en train de partir à la brigade, elle dit que la justice est pourrie en Guinée, que quelqu'un comme ça, attendez, que quelqu'un comme ça qui a beaucoup d'argent, qui ose donner 30 millions de francs guinéens à une femme pour, juste pour coucher avec elle, et même le tiers de ça, rapidement il peut donner ça à la justice, etc. etc. Madame, si la justice est corrompue là, si tu penses que c'est parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il aura raison là, tu verras. Parce que là, on va t'opposer, à partir de la justice, on va t'opposer tes dires, tes propres captures, tes propres messages. Voilà. Ce n'est pas parce que le monsieur a l'argent. Ce n'est pas parce que le monsieur a l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Mais dans les faits, tu n'as pas raison, madame.
Voilà. Attendez, je vais mettre la vidéo. Comme nous, on juste les... La connexion, maudite connexion de Orange déconne. Voilà. La connexion déconne. C'est elle. Elle est en route pour la brigade. Voilà. Et elle se moque de la justice. Voilà. Elle se moque de la justice. Voilà. Moque de la justice. Et vous voyez, pendant ce temps, elle a pris tout son temps pour faire des vidéos, pour faire des lives, juste pour parler du monsieur en mal. Mais quelqu'un qui t'a déjà donné de l'argent, 30 millions francs guinéens. 30 millions. 30 millions francs guinéens. On a des fonctionnaires qui peuvent passer. Pour qu'un fonctionnaire guinéen ait 30 millions francs guinéens comme économie, il lui faut 4 ans. Toi, tu reçois ça des mains de quelqu'un. Comme si la personne était maudite. Tu te mets à vilipender la personne. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toutes les captures sont là. Toutes les captures, les messages entre elle et le monsieur sont là, sur sa page. Vous voyez? Elle dit, bon, ça c'était le jeudi. Elle dit, bon, je veux venir à ce week-end, mais à deux conditions. Donc, on comprend déjà que le monsieur l'a invité. Elle dit, je veux venir à ce week-end, mais à deux conditions. Que je vienne avec une de mes actrices. Je devais faire un sketch pour les produits Armenti ce week-end avec elle. Et je veux mes 3 000 euros avant de bouger. Autre chose, n'attends rien d'intime avec moi. Je veux bien apprendre à te connaître, etc. Être sympa et avec qui tu pourras rire et passer un super week-end, mais rien de plus. Alors, à toi de voir. Toi, tu réponds à l'invitation d'un homme et tu dis rien d'intime, mais tu dois me donner l'argent. Moi, je ne comprends pas. Après, le monsieur dit, hé, Adia, mais tu es trop strict. Essaie de revoir un peu ta copie. Elle dit non, pas du tout, je suis très cool pourtant. Après le vendredi, elle dit, dis-moi, je ne sais pas si ça roule, laissez-moi les cœurs s'il vous plaît. Laissez-moi les cœurs, laissez-moi les cœurs. Après, ça c'était le jeudi, hein. Le vendredi, elle dit, dis-moi. Le monsieur lui a dit, tu es trop strict, il faut essayer de revoir ta copie. Le monsieur ne pouvait pas supporter ça. Je t'invite à venir faire la chose, tu dis la première condition, tu viens avec une de tes actrices parce que tu dois faire la promotion de je ne sais quoi, d'un produit. Et après, et voilà, tu dis que tu iras sans faire quelque chose avec lui. Le monsieur dit, tu es strict, tu es trop strict. Le monsieur lui dit, tu es trop strict. Elle dit, non, pas du tout, je suis très cool. Ça, c'était le jeudi. Le vendredi, c'est elle qui écrit. Vendredi, c'est elle qui écrit. Elle dit, dis-moi. Elle met le nom du monsieur. Tu pourrais me prêter ces 3 000 euros jusqu'à la projection de mon projet fin mars, s'il te plaît. Je te serai sincèrement reconnaissante. Tu es dans un business, tu es dans un truc avec une femme. Relation amoureuse. Tu veux de la femme. Tu veux avoir une relation intime avec la femme. Tu veux coucher avec elle. Tu l'invites. La femme dit, Niette, elle viendra sans rien. Deux conditions. Première condition, elle vient avec son actrice. Deuxième condition, tu lui donnes les 3 000 euros et sans rien. Tu lui dis, tu es trop strict. Faut revoir ta copie. Tu laisses tomber. Tu ne l'écris plus. Et le lendemain matin, c'est elle qui t'écrit pour te dire, dis-moi si tu peux me prêter cet argent-là. Je te serai très reconnaissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, la dame en question, elle est prête. Du moment où l'homme lui a dit, il faut revoir ta copie. Et elle, l'homme t'a dit, il faut revoir ta copie. Il t'a laissé. Et par après, c'est toi qui te lèves pour lui dire, prête-moi l'argent. Je vais être reconnaissante à ton égard. Vous imaginez? Excusez. Vous imaginez? Il y a trop de bruit là, je vais fermer.
Voilà. Donc vous imaginez ça? Vous voyez? Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Donc, c'est elle-même qui se lève le matin, qui écrit au monsieur et qui dit: prête-moi cet argent. Mettez-vous à la place du monsieur. Ça veut dire, comme le monsieur lui a dit de revoir sa copie, de changer, parce qu'elle est trop stricte, ça veut dire que peut-être elle a décidé de changer. Elle a décidé d'accepter les conditions du monsieur. Mais toujours, elle tient à l'argent. Alors, le monsieur répond. Voici les captures. Le monsieur répond. Il dit: hé, Adia, tu veux me mettre dans embarras grave même. Le monsieur est éveillé. Il dit: tu veux me mettre dans embarras grave même. Elle dit: pourquoi? Elle dit: moi, le monsieur dit, moi je te demande quelque chose, tu ne fais pas. À ton tour, tu me demandes. Si je ne fais pas, c'est moi le méchant. Et c'est à partir de là qu'elle commence à dire: sérieux, faut vraiment que je couche avec toi pour avoir cet argent ou quoi? Et le monsieur lui dit: je suis à l'écoute, chérie. Mais surtout, ne le prends pas en mal, des, sache que tu. Sache que c'est que j'ai de l'estime, j'ai trop d'estime pour toi. Elle dit: c'est gentil, je te reviens plus tard. Si on ne veut pas de quelqu'un, on peut continuer à lui parler comme ça. Si on ne veut pas de quelqu'un, on peut continuer à parler comme ça à la personne. On peut continuer à parler comme ça à la personne. Après, le monsieur dit: bisous. Après, le monsieur dit: on peut faciliter en allant se reposer dans un complexe de la place demain et dimanche. Le monsieur prend 2 jours pour ses 30 millions. Il doit vraiment bien travailler, il doit bien labourer. Parce qu'on ne donne pas 30 millions comme ça gratuitement. Voilà. Le monsieur lui dit: dimanche et un autre jour, par exemple, si tu n'as pas le temps. En tout cas, le monsieur veut 2 jours. Et il dit une fois encore: merci de te dire oui, le garçon a de l'estime pour toi. C'est tout. Sinon, ça ne manque pas. Le monsieur lui dit: les femmes ne manquent pas. Mais c'est parce que j'ai de l'estime pour toi. Et elle répond en disant doucement. Suivez très bien cette partie. Elle répond en disant doucement. On doit reparler d'abord. Regardez la partie. C'est elle qui dit, ça sort à l'envers, qui dit doucement. On doit reparler d'abord. Oui, j'ai besoin d'argent, mais je connais ma valeur et je vais bien réfléchir. On va négocier. Après tout, c'est un business. Un business. Bref, je te reviens tout à l'heure. Bisous. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Partagez-moi cette vidéo. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que le monsieur a fait de mauvais? Il n'a pas harcelé la petite. Au contraire, c'est la petite qui le harcèle, qui le fatigue par rapport à 30 millions, par rapport au jeton. Tu ne veux pas de quelqu'un, mais tu veux de son argent. Et c'est toi, tu ne veux pas de la personne. Quand vous écrivez, tu dis bisous, bisous. Non, on doit parler d'abord. Je vais réfléchir, machin, machin. En tout cas, c'est du business. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au monsieur: sérieux, faut vraiment que je couche avec toi pour avoir cet argent ou quoi? Elle dit: bref, t'inquiète, t'es pas méchant, tu dis juste ce que tu veux. Bon, laisse-moi y penser plus sérieusement. S'il faut coucher avec toi pour finaliser mon projet, pourquoi pas? Après tout, toi et un autre, qu'est-ce que ça change? Regardez. Regardez sa réponse. Le monsieur lui dit: je suis à l'écoute, chérie. Mais surtout, ne le prends pas mal. Sache que j'ai de l'estime pour toi. Elle dit: c'est gentil, bijou. Donc, regardez. Regardez. C'est vers la fin qu'elle monte le mercure. Partagez-moi cette vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est vers la fin qu'elle monte le mercure. Et qu'elle fait comprendre au monsieur que elle, elle a de la valeur, elle a de la dignité. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Voilà. Et qu'elle ne peut pas accepter cet échange-là. Mais maman, si tu ne voulais pas de ça, là, pourquoi tu t'es engagée dans ça? Pourquoi?
Pourquoi tu n'as pas bloqué le monsieur dès le départ? Pourquoi tu n'as pas bloqué le monsieur dès le départ? Pourquoi tu as accepté de recevoir son argent? Sachant que lui t'a demandé déjà la chose. Le monsieur a demandé d'abord la chose. Avant que toi, tu ne lui demandes l'argent. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, elle vient d'être arrêtée. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'on nous explique la situation là parce que je ne comprends pas. Mais je crois que la justice doit vraiment sévir dans cette affaire. Il faut que ça cesse. Il faudrait que les femmes évitent d'utiliser les hommes comme bouclier. Le monsieur n'est pas une banque là. Il n'est pas une banque. En tout cas, on n'a pas encore entendu la version du monsieur. Mais selon la version de cette dame, pour le moment, selon les captures que moi je viens de lire, elle n'a pas du tout raison. On peut être méchant comme ça, c'est elle la méchante. Heureusement qu'on vient de l'arrêter. Heureusement qu'elle vient d'être arrêtée. Et les accusations qu'elle est en train de faire, non, la justice est pourrie, la justice est corrompue, il n'y a pas de problème. On verra très bien. On verra très bien. Mais encore une fois, voici des pratiques qui font que les gens ont peur aujourd'hui des femmes et des filles. Tu peux voir une belle fille. Elle peut faire 6 mois, elle n'a même pas de copain à Conakry. 6 mois, elle n'a pas de copain. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme, mais parce qu'aujourd'hui, les hommes ont peur. Tu vas dire bonjour à une fille. Simple bonjour et fais capture et garde. Après, elle te dit, demain c'est mon anniversaire ou bien j'ai perdu tel téléphone. Ceux qui ont un bon cœur, tu l'envoies l'argent. Après, c'est pour dire non, il a voulu faire ça, il a voulu faire ça avec moi. Qu'est-ce que le monsieur a fait de mauvais? C'est pourquoi moi je dis toujours à mes combattants et mes combattantes, cherchez à lire le droit. Parce que le droit régit notre vie. Tout ce que vous faites dans la vie, là, tout ce que vous posez comme acte, il faut vous référer au droit. Dans cette affaire-là, la fille-là n'a pas raison. Et en plus, c'est elle qui vient exposer le monsieur. Ça pouvait rester entre eux au calme, mais c'est elle qui vient exposer. Jusqu'à ce que les bravadors en parlent. Bravador en fait un débriefing. Peut-être c'est pour avoir la popularité, comme elle le disait, c'est pour avoir des vues. Mais si c'est effectivement pour avoir des vues, elle aura ces vues-là. Très malheureusement, ces vues vont ressembler aux vues de la maman des pauvres, Fatounier, lui. C'est ça le problème. On dit à Ramana, attends. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Elle risque de se retrouver dans la même situation que maman des pauvres, Fatounier, lui. Parce qu'avoir une réputation, avoir des vues, mais que ces vues ne soient pas, comment on appelle ça, dans le bon sens. C'est vrai que dans la communication, la mauvaise communication est toujours une forme de communication. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Donc c'était déjà pour aborder cet aspect. Maintenant, deuxièmement, on vient de l'apprendre. Deuxième sujet. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. On vient de l'apprendre que Selouda Len Diallo vient de désister à la plainte qu'il a eu à porter contre Ousmane Nieloy et Fatou Nieloy. On vient de l'apprendre. Je n'ai pas encore vu la lettre de désistement. Mais déjà, on dit félicitations à Selouda Len Diallo. On dit merci à Selouda Len Diallo. Parce que effectivement, la plainte de Selouda Len a permis, c'est-à-dire ça a enfoncé de plus la famille Nieloy. Et ça a permis à la famille Nieloy de comprendre que les choses, ça ne marche pas comme ça. Ça les a permis de comprendre les réalités de la vie. Même s'ils disent que Selouda Len est en complicité avec, je ne sais pas, le CNRD à travers Bala Samoura, ils se sont rendus à l'évidence que c'est faux. Ils ont compris que la bouche qu'on fait sur Facebook là, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, quand on est en live, tu as 1000 personnes, tu as 3000 personnes, tu as 4000 personnes, ce n'est pas ça la vie réelle. Ils ont compris. Donc il fallait que Selouda Len Diallo porte plainte. Parce que trop c'est trop. Il fallait qu'il porte plainte.
Moi, je ne suis pas du parti de Senouda Ndiallo. Mais on a toujours pris le temps de manifester notre aberration vis-à-vis du comportement de ces deux-là et de tous ceux qui insultent, que ce soit Senouda Ndiallo ou le professeur Alpha Condé quand il était président. Parce que les injures ne sont pas de bonnes choses. On n'a jamais manqué de le dire. Laissez-moi tous saluer en commentaire, chers samouraïs. Laissez-moi saluer en commentaire. Et tous ceux qui viennent de rejoindre le live, cliquez juste ici pour recevoir la notification chaque fois qu'on sera en vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les injures ne sont pas de bonnes choses. Même si on dit non, leur argument souvent, non, c'est un président, il aspire à être président de la République. Chaque jour que Dieu fait, on insulte Alpha Condé ici. Rien n'en sort, est-ce qu'Alpha Condé a une fois porté plainte, etc., etc. Ça dépend de la personne que vous insultez. Ce n'est pas parce que juridiquement la personne n'a pas le droit. Mais c'est parce que la personne ne veut pas se rabaisser à votre niveau. C'est ça le problème. Maintenant, lorsque vous insultez quelqu'un, chaque fois il ne parle pas, il ne parle pas. C'est le Dalin, la famille Nielu l'a insulté proprement et régulièrement. Régulièrement on l'insulte, il ne dit rien. Ils vont jusqu'à dire ce sont les deux seulement qui sont capables d'empêcher Senouda Ndiallo d'accéder au pouvoir. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce n'est pas la bouche là qui, sur Facebook, qui empêche quelqu'un d'accéder au pouvoir. J'ai toujours eu à en parler. C'est le peuple qui vote. Quand le peuple vote pour toi, tu passes. Les choses sont très claires. Donc à travers cette plainte, on a pu comprendre. Vous avez pu comprendre, ils ont pu comprendre que, un, ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher Senouda Ndiallo d'être président de la République. Si le peuple vote pour Senouda Ndiallo, Senouda Ndiallo sera président de la République. Si le peuple ne vote pas pour lui, il ne sera pas président de la République. Ce n'est pas la bouche de deux citoyens, même de 10 citoyens, qui peuvent empêcher un citoyen guinéen d'accéder à la magistrature suprême. C'est faux. Cela peut être possible dans la mesure où ces citoyens ont une capacité de mobilisation, ont une grande confiance. Le peuple les fait confiance. Partagez-moi cette vidéo. Lorsque le peuple les font confiance, ces deux individus ou ces 10 personnes-là peuvent empêcher l'élection de quelqu'un à condition qu'ils poussent tout le monde à voter pour une autre, pour cette personne-là. Du moins pour une autre personne. Je reprends très clairement. Moi, je vais être candidat aux élections. La famille Nielu disent, par exemple, qu'ils ne veulent pas que je sois président. Ils pourront être capables de m'empêcher s'ils poussent tout, s'ils peuvent pousser la majeure partie des Guinéens à voter pour un candidat adversaire à moi. C'est ça. Il faut qu'on soit très clair dans les choses. Sinon, c'est ce que j'appelle le pécou-pécou-li. Les paroles sur les réseaux sociaux, là, ça ne sert à rien. Vous aurez les vues. Les vues vont être emmagasinées dans les banques de données de Facebook. Mais ça ne pourra rien faire. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, merci à Senouda Ndiallo. Si l'information est vraie, qu'il a désisté, il a très bien fait. Et je suis sûr que Selou, son désistement ne va pas être fortuit. C'est dû au travail qui a été fait par le général El Sissi et son équipe, avec les corbeaux Baldé. Même si on les a insultés, on les a traités de tous les noms, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quand je ne vois pas les cœurs, je pense que la vidéo s'est arrêtée, s'il vous plaît. Même si les gens disent qu'ils sont allés faire la démagogie chez Senouda Ndiallo, même si, comment elle s'appelle, Fatou Nielu ne reconnaît pas le pardon qui a été demandé, d'accord, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces gens-là ont fait une bonne démarche. Et c'est à l'issue de cette démarche-là que le désistement a pu être possible. Voilà. Donc on dit merci à Senouda Ndiallo. Merci à toute l'équipe, ceux qui se sont levés pour aller demander pardon, pour dire comprenez-nous, ça ne va plus se répéter, on va les parler, on les dit merci. Parce qu'encore une fois, nous sommes une nation, nous devons être unis. Les pratiques
depuis l'époque du professeur Alpha Condé, qui ont poussé les gens à être divisés à travers des pratiques d'injures, injures publiques et tout ce qui s'ensuit, ces pratiques-là, on doit les mettre à l'actif de l'ancien régime politique. On doit les mettre à l'actif de l'ancien système. Et nous, nous devons faire en sorte que tous ceux qui ont péché de façon citoyenne au compte de l'ancien système puissent être avec nous, puissent comprendre que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une bonne chose. Ils doivent revenir à la raison et qu'ensemble, on puisse se donner les mains pour construire une Guinée unie et prospère. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, la famille Nyeloi est épargnée de justesse. Parce que si Fatou Nyeloi partait en prison, ça allait être une souffrance terrible pour la famille, à en croire aux explications du général El Sissi. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et on dit merci à tous ceux qui se sont battus. On dit merci à Seluda Alain Diallo. Il a fait preuve de sagesse et de grandeur. Et c'est ça. Quand on dit que Seluda Alain Diallo, c'est un homme qui est trop tranquille, c'est un homme qui n'est pas... Voilà, il ne répond pas, il n'est pas violent, tout ça là. Donc la famille Nyeloi pensait qu'il n'allait jamais porter plainte. Mais il y a un adage qui dit que lorsque tu danses avec un aveugle, il faut régulièrement marcher sur ses pieds. Ça lui permet de savoir qu'il danse avec quelqu'un. Qui aime bien, châtie bien. Donc, le fait que Selou avait porté cette plainte-là, moi je lui dis merci. Et le fait qu'il a accepté, après tout ça, de désister, on lui dit merci. Mais attention, le désistement ne veut pas dire que l'action publique s'arrête. Selou désiste, il quitte dedans. Ça va rester maintenant entre l'État et eux. Voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je vous dis, il ne me reste qu'à...